អង្គប្រជុំ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 អង្គប្រជ
bạn ổn ổn nhom thì mùi nó quạt thở khang quạt đầm bài tràn bài hay thì pì hay năng thì bay nó quạt nơi con chật lạnh Et est-ce qu'ils ont travaillé à ces endroits jusqu'à la fin du Kampuchea démocratique, c'est-à-dire jusqu'en janvier 79, à l'arrivée des Vietnamiens? Un petit retour en arrière, excusez-moi, j'ai oublié de vous poser une question. Vous avez indiqué qu'avant l'arrivée de Ho, à un moment, vous avez fui non loin de votre maison dans la forêt et qu'à ce même moment, il y avait également des cadres Khmer qui ont fui pendant la même période, mais vous ne savez pas où, si j'ai bien compris. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? រត់កាន់នឹងរត់ដោយខ្លួនដោយខ្លួនទេមិនមែនរត់ជាមួយគ្នាទេហើយការរត់ដែលមានបងប្អូនខ្មែរទៅជាមួយរត់ទាំងភូមិទាំងអស់នឹងរត់រៀបនឹងដាច់ហើយនៅថ្ងៃទី 1 ខែមករាហើយអានឹងរត់មែនតែម្ដងហើយខ្ញុំក្រែងថាកំណត់ហេតុហ្នឹងច្រឡំពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងរត់ទាំងពីរហ្នឹងដំបងគ្រាន់តែគេចខ្លួនទេគេចខ្លួននៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងហើយការរត់មែនតែនរត់ពេលដែល D'accord, donc là vous me parlez de la fuite au moment de l'arrivée des Vietnamiens. Mais dans le cadre de votre déposition, alors j'ai peut-être mal compris, mais j'avais cru comprendre qu'avant l'arrivée de Ho, vous avez fui à un moment non loin de votre domicile. Est-ce que j'ai mal compris votre déposition? En fait, c'est le moment où vous dites avoir fui qui m'intéresse. Dans le cadre de votre déposition à l'audience, j'avais compris que c'était au moment de l'arrivée de Ho. Donc avant, au moment de sa nomination en tant que chef de district, que vous aviez fui et qu'ensuite, vous étiez revenu au sein de votre village. Donc, est-ce que j'ai mal compris ce point de votre déposition? D'accord, mais ça, nous sommes d'accord que ce n'est pas le 1er janvier 79. Ça se passe en 78. C'est bien ça. Voilà, donc moi, c'est ce moment qui m'intéresse. Vous avez indiqué, et ce que j'ai bien compris, corrigez-moi si je me trompe, qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas le seul avoir fui, que d'autres gens avaient fui en même temps que vous. Est-ce que j'ai bien compris ou pas? ហើយមេឃុំនឹងហើយនៅអនុឃុំនឹងផ្ទះណាដែលគាត់ស្គាល់គាត់កិច្ចទៅនៅក្បែរផ្ទះនៅផ្ទះគាត់ស្គាល់នឹងហើយអង្គភាពដទៃទៀតភ្នាក់ច្រើននៅឃុំត្រៀនឹងរត់កិច្ចទៅតាមផ្ទះខ្លួនឯងនឹងក្បែរនឹង
Et on est d'accord que les personnes qui se sont cachées étaient à la fois Cham et à la fois Khmer. Et pendant combien de temps vous êtes-vous caché? Et vous-même, quand vous êtes sorti de votre cachette, est-ce que vous avez repris les mêmes fonctions? Et Meng, vous le connaissiez d'avant? Et savez-vous pourquoi il vous a proposé d'être secrétaire de la commune? Est-ce que vous savez s'il y a des gens qui vous ont recommandé? Il y a un dernier point sur lequel je voudrais avoir quelques précisions. Vous avez évoqué un endroit où vous avez vu des fosses, avez-vous indiqué, en 79. Et vous avez indiqué que ces fosses dateraient de 78. Vous avez également indiqué au cours de votre déposition qu'à un moment en 78, il y a eu une inondation sur le terrain dans lequel il y avait les fosses. Est-ce que vous pouvez préciser à quelle période de 78 il y a eu cette inondation? Et est-ce que c'était avant ou après que vous avez vu des fosses qui étaient creusées à cet endroit? Et entre mai et septembre 78, est-ce que vous vous êtes rendu sur les lieux? Je vous remercie de cette précision, Monsieur le Président. J'en ai terminé mon interrogatoire. បាទហើយអរគុណបាទដល់ពេលនេះសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យកម្មសិស្សរំលីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអង្គជំរះសូមអរគុណលោកសូមរំលីដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃមកផ្ដល់ទៅគណៈកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃកន្លងមកនេះហើយសូមគណៈកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមវិភាគទៀតក្នុងការស្វែងរកការពិតនឹងរឿងក្តីនេះ
ហើយវត្តមានរបស់លោកនៅនេះពេលនេះលែងមានចាំបាច់ចិត្តហើយលែងចាំបាច់ចិត្តហើយនៅអវតកលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬក៏គោដៅណាដែលលោកមានអំណងចង់ទៅបានហើយសូមលោកជួបតែតំណាងល្អបានស្ដីសុខស្ដីចម្រើននិងមានសុខភាពល្អមន្ត្រីរដ្ឋបាលការនរមរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកោភាសាទីអ្នកជំនាញក្នុងការជូនលោកសុខរំលីវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬក៏គោដៅណាដែលគាត់បំណងចង់ទៅបានហើយហើយអង្គខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកម